T'inquiète pas, mes enfants, ils vont bien. Claquette? Non. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story des princes et princesses du ghetto, parodie des princes et princesses de l'amour, version humour ghetto, snap et plus infinité et rings et animosité. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salut la team FDJ. Voilà, je m'appelle Abdel. J'ai 33 ans. J'envoie ce petit message pour Stéphanie. Elle qui voulait un homme sérieux et un homme posé. Voilà, moi je suis Perpignan. C'est fait ma connaissance. C'est la bienvenue. Voilà. En fait, t'arriveras jamais à ma cheville, même à mon pied, même à mon doigt, pied carré, t'y arriveras pas. Tu l'attends pas. Tu l'attends pas. Après, t'es là, tu dis, ouais, de toute façon, j'ai des vidéos de toi en train de peupon. Alors, j'aime coquer, il y a quoi en fait? J'assume, j'ai des vidéos en fait. Ouais, j'ai des vidéos en train de faire. Comme ça, je me. Tu penses que je vais me défiler? Waouh, il a tapé dans un poteau et tout. Waouh, t'as un mec chaud. Et... t'as trop regardé les lascars, toi. Là, ça se voit, t'es rentré, t'as mis de la glace sur le tibia, là, t'as mal, t'as déjà un hématome. Je vais même pas te donner mon palmarès ou je sais pas quoi, ça sert à rien. Parce qu'on va dire que je me vante et tout, c'est inutile. Je vais venir dans l'objectif d'un petit qui boite les fesses d'un daron. Carrément, c'est moi, je vais t'apprendre le respect. Carrément, c'est toi, tu vas être mon fils. Putain, mais t'as pas honte? Danser, tu sais faire que ça, montrer ton cul. Putain, mais arrête de taper la honte, putain. Mais à quoi tu fais? Mais à quoi? Putain, attends. Je vais aller vomir parce que tellement que tu tapes la honte à montrer ton cul, même la porte elle veut vomir. Coucou la team FDJ, c'est Jennifer, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui, j'ai pas l'habitude de réagir à des choses comme ça. Mais je vois que ça prend de l'ampleur, pour rien du tout. Franchement, Claquette, tu me fais délirer, je kiffe trop. juste pour répondre à l'autre demoiselle, je sais pas comment elle s'appelle. Écoute, la meuf. Elle s'assume. Si elle va avec Paul, avec Jacques, avec je sais pas qui, c'est son problème. Je pense que tu as peut-être d'autres choses à faire. Tu as 32 ans. J'ai pu comprendre que tu avais des enfants. Ce serait peut-être correct d'aller t'occuper d'eux au lieu de faire des vidéos comme ça à ton âge, quoi. Sur ce, bisous ma belle. Je vais te répondre, la meuf. D'accord. Peut-être je peux avoir 45 ans, 60 ans, machin et tout. Moi, Claquette, c'est juste une histoire à cause d'un pélo qu'un pélo m'a frappé, que je m'en veux par rapport à elle. C'est pour ça que je me suis juste affichée. C'est la FDJ. Là, j'étais vraiment obligée de récidiver, c'était plus fort que moi. Mais qu'est-ce qu'elle a? Aïe, aïe, aïe. Voilà, le mec, il m'a tapé. Aïe, aïe, aïe. Je meurs. Mais tu serais pas la mère de substitution de Nejma, toi, par hasard? Bonsoir, bonsoir. J'ai 3 pétasses à répondre ce soir. La brune. Nejma te mettait la trique et tu partais, tu pleurais derrière ton cul de ton père ou ta mère. La blonde, t'inquiète pas, mes enfants vont bien. Et Claquette, avec ton
Bob le clown, il va bien. T'inquiète, la justice, ça va se faire. Et... Ah, t'as mis la trique. Bonne soirée. Bonsoir, bonsoir. Alors, j'ai 3 pétasses à répondre ce soir. La brune. Nejma, tu me donnes la trique et tu pleurais chez ta mère et ton père. La blonde. T'inquiète pas, mes enfants, ils vont bien. Claquette? Non, c'est pas possible. Moi, je sais c'est plus de bêtes que toi. Ma chérie, tu parles de clown. Mais sincèrement, t'es déjà toi-même, Krusty le clown. T'insultes les gens de pétasse. Mais on n'est pas du même niveau. Crois-moi bien. Ouais, salam alaikum la team FDJ, ici Marius Trésor, marron de Paris en revenant. Ouais, Sim, va là-bas frère, va là-bas. Qu'est-ce que tu vas draguer une blonde, ma gueule? Mais regarde ta tête, regarde sa tête frère, mais t'es sérieux là? En plus tu viens de mettre Babloued en plus. Mais t'es incroyable. Mais va là-bas frère. FDJ, c'est pas pour toi frère. T'as capté ou pas? C'est le fou, va. Et sache-le bien un truc, Yacine, que Jennifer, jamais elle va dire oui. La preuve qu'elle t'a dit, c'est mort. Elle t'a dit comme quoi, t'es pas son style, quoi. Comme quoi, t'es vraiment un blédard. Et c'est mort. C'est mort, quoi, frère. Jennifer, elle est pour moi. D'accord? C'est ma princesse, frère. T'as capté ou pas? Maintenant, t'es content ou t'es pas content? Va là-bas! Yeah! Salam alaikum, la team FDJ. Comme vous pouvez le constater, le combat a été annulé. Bon, malheureusement, c'est moi qui a merdé. Je suis pas apte à fournir des vidéos de clash et tout ça. Je suis pas à l'aise devant les caméras. Comme ça, je suis pas à l'aise à me clasher et tout. J'aurais aimé qu'on se tape là le plus tôt possible, mais il faut, avant ça, il faut du contenu, il faut que ce soit rentable, parce qu'il m'a dit FD. Je tiens aussi à féliciter le jeune là, que j'aurais dû prendre en adversaire, qui sache que moi, je l'ai en aucun cas sous-estimé. Moi, le premier qui a répondu, j'ai répondu aussi, et jamais je t'ai sous-estimé. Je te souhaite un bon combat, force à toi, et assalamu alaikum. Salut FDJ, la famille, les amis, salut tout le monde. Je me présente, moi c'est Lucas. J'aimerais revenir sur la vidéo où justement il y a un mec qui essaie de draguer Claquette en fumant sa cigarette et en mettant des gants de boxe. Frérot, t'essaies de faire quoi? Claquette, elle est à moi. C'est pas en mettant des gants de boxe et en essayant de percuter son cœur que tu vas y arriver. Faudra passer par moi d'abord. Claquette, elle kiffe les mecs balèzes. Les mecs avec des tatouages. Tu vois ce que je veux dire? Donc si jamais t'as envie de prouver à Claquette que t'es à 100%, moi j'ai fait 6 ans d'équitation. On m'appelait My Little Pony à l'époque. Donc si t'as envie de monter sur le ring, y a pas de souci, moi je suis preneur. Claquette, je fais ça pour toi. Et quant à ceux qui se posent la question, qu'est-ce que je suis venu faire moi dans ce combat? En fait, je combattais tout simplement. Moi c'était pour dans l'objectif en fait de mettre en évidence, en visibilité, si je puis dire, la récolte pour la mosquée de mon quartier. Je voulais profiter de mon passage sur la chaîne d'FDJ pour vous partager le lien Cotisup. Donc si FDJ il me permet de le faire sans avoir à me battre, franchement c'est un bon, je le remercie énormément. Donc voilà les amis, c'était la story de FDJ, les princes et princesses du ghetto, parodie des célèbres princes et princesses de l'amour, de la télé-réalité, mais version ghetto, humour et snap, et plus c'est infinité, et ring c'est animosité, lol. Donc voilà, c'était un nouvel épisode, l'épisode 5 il me semble, l'épisode 5, et voilà, il y a le barbu qui a, voilà. En fait, c'est pas parce qu'il s'est fait mal au tibia sur le poteau, en fait, comme il a dit, voilà, je vais le réexpliquer, parce que voilà, il a marqué un truc, moi je l'explique en vocal. C'est que, en fait, le combat a lieu dans une semaine, et pendant une semaine, tous les jours, ils doivent snapper, tout ça, tu vois, s'embrouiller, tout ça, pour monter la tension, pour
pour donner envie d'aller voir le combat quand il va sortir en vidéo. Voilà, donc le problème, c'est que le barbu n'est pas très à l'aise dans les clashs, dans les vidéos, ça peut être compréhensible. Et c'était surtout pour récolter pour sa mosquée, pour la rénovation de sa mosquée, de sa ville. Voilà, il y a le lien, tout ça là-bas. Donc voilà, c'est pour ça. C'est pas parce qu'il s'est fait mal au pied comme on a pu le croire hein, au moment du snap. Voilà. Et je savais pas que claquette chaussette, elle était dans l'industrie des vidéos. Je savais pas. Donc voilà, c'était la story des princes et princesses. À prendre au second degré, bien sûr, c'est de l'humour. C'est de la parodie. Voilà, c'est pas à prendre au premier degré comme certains pourrait le croire, ça peut être choquant à première vue, mais en fait, voilà, c'est de l'humour, voilà, de l'humour un peu trash, un peu clash, voilà. Des fois, je censure s'il y a trop d'insultes ou quoi, je censure, je coupe, bien, voilà, pour la rediffusion, voilà, pour les originaux, vous avez directement à regarder le stab de FDJ, donc c'est FDJ tiré du bas officiel avec un seul F, donc voilà, c'est marqué sinon tout le temps en bas, là-bas, voilà. En bas, voilà, et le retour de Soso, il manque plus que neige mal. Soso, on a senti arriver, on a senti les chaussettes. Lol, force à Soso, Nejma, tout ça, et à FDJ, surtout à Farouk, à son frère, à ses frères, à ses cousins, tout ça, toute sa famille. Voilà, dans cette période qui n'est pas peut-être pas plus facile, la plus facile pour Farouk, Jeff. Voilà, c'est de là d'où ça vient. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent la FDJ. C'est pas la FDJ. FDJ, en fait, ça veut dire tout simplement Farouk, Jeff. Jeff, c'est une partie de son nom de famille, on va dire. Jeff, c'est pas le nom de famille complet. C'est abrévié V. Abrévié, ça se dit à l'abréviation, voilà. Donc voilà, c'est FDJ tout court, c'est pas la FDJ, je pense, mais beaucoup, bah, c'est devenu commun maintenant, la FDJ, voilà, qui a pris de l'ampleur sur le net, sur la toile, sur Internet. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB 2, premier sur les actus, les infos des influx et l'humour, bien sûr.